Salut les gars, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du match d'hier soir, Bordeaux-OM, les gars. Un match qui s'est fini par le score de nul. Hein. Vraiment, les gars, un match nul, quoi. Mais vraiment, le match nul, les poteaux. Oh, le Bordeaux, ils ont sorti le match de le match de leur vie, les gars. C'est même pas leur match de l'année, c'est le match de leur vie, les poteaux. C'est un truc de fou. Je m'attendais vraiment à ce qu'on casse, à ce qu'on pète cette malédiction de merde. 43 ans, frérot. 43 ans qu'on ne bat pas. Alors, on voit très clairement que l'OM est en baisse. Hein. En baisse, le train. On voit très clairement que le train a ralenti, les poteaux. Match bidon. Match bidon. Benedetto, c'est un fantôme. Hein. Depuis novembre, on ne voit plus. Il marque pas. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre de le protéger, le type. Pas de le protéger, mais je suis l'un des seuls, à mon avis, qui les mitraille pas. Et là, c'est bon, il y en a marre, quoi. Il y en a marre, c'est des matchs importants. Et offensivement, il n'y a rien, les gars. Offensivement, il n'y a strictement rien. C'est trop, c'est trop. Mais on dit tous vivant le retour Thauvin, mais Thauvin il va pas être opérationnel d'entrée, il va jouer des 60 minutes par là, des 70 minutes par-ci, et puis voilà, le temps qu'il va revenir et tout, qu'il se remet dans le bain, c'est une catastrophe, les gars. Alors voilà, le prochain match c'est Saint-Étienne, il va falloir gagner, les gars, parce que là, niveau moral et toute l'équipe, ça doit pas être violent, hein, ça doit pas être violent, parce qu'on sort que des nuls, ça va qu'on perd pas, au moins ça va qu'on perd pas. Mais voilà quoi. Le seul pour moi qui a sorti son match hier, les gars, c'est Mandanda. Il a été énorme. Si on n'avait pas un grand Mandanda, on l'aurait perdu ce putain de match. Moi, je vous le garantis, les potos, on l'aurait perdu ce putain de match. Voilà. Franchement, on fait chier. On fait chier. Je m'attendais vraiment à ce que ce soit l'année où on les pète. Alors, on a mis le deux feux. AVB, machin, je me suis dit, c'est bon, cette année on les pète, ils vont fermer leur gueule, et puis basta cosy. Ils ont sorti le match de leur vie, ils ont fait le 0-0, ils étaient contents, ces schlags, ils étaient contents, les gars. Voilà. Franchement, je sais pas quoi vous dire sur ce match, je sais pas quoi vous dire. Camara, oui, ça va, il a fait à peu près un bon match. Rongier aussi, mais on sent clairement qu'il est en dessous, hein, en dessous d'habitude. Hein. Voilà. Sarr qui a fait 2-3 trucs jolis, mais dans l'ensemble, c'est toujours pas trop ça. Sakai, oh, un peu cher Sakai en ce moment, ça va pas pour lui. Ça va pas pour lui, très clairement, dans les duels. Il perd tous ses duels et tout. On a très clairement vu. C'est la merde. Hein. Le Bordelais, l'autre, là, Depréville, il a passé un match par terre. Le petit PD, là. Le match par terre. Le match par terre, qu'il se fasse toucher ou pas. Une gazelle, frère. Tu le vois, il sautait. Bim, fini par terre. Combien je like. Bref. Vraiment le match nul dans toute sa splendeur, les amis. Voilà. Voilà. Donc, franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, je sais pas quoi vous dire de plus. À part que, ben voilà, il y a Saint-Etienne, il y a le match de Saint-Etienne qui arrive. Va falloir gagner. Va falloir gagner. Surtout que les poursuivants, ils sont plus très loin derrière. Je crois qu'on est à 3 ou 4 points, hein, pas plus. Hein. Ça commence vraiment à être tendu, les mecs. Et moi j'aimerais bien qu'on reste deuxième, franchement, ouais. Je vous le dis clairement, j'aimerais bien qu'on reste à cette deuxième place derrière Paris. C'est la place légitime de l'OM, je suis désolé pour ma part, hein. Les gars, c'est mon avis. Ça reste que mon avis, bien sûr, hein. Libre à chacun de penser ce qu'il veut. Mais voilà, très déçu du match d'hier, on prend qu'un point, encore une fois, alors que c'est un match super important. Je le répète, les gars, je le répète, mais c'était un match important. Il fallait prendre ces putains de 3 points hier. Voilà. Voilà. Donc, vraiment, j'espère qu'ils vont se reprendre en main. Hein, que Villas-Boas va ajouter un peu de poudre magique dans le vestiaire. Et que ça va repartir plus belle parce que. On voit très clairement, les gars, que c'est pas ça du tout en ce moment. C'est pas ça du tout. Donc, voilà, les potos. Si je pense que. Voilà. Je pense vraiment que. Il n'y a rien d'autre à dire sur ce match, c'était un match nul. Voilà, nul. Complètement nul. Donc voilà les potos. Si vous avez kiffé ce discours, voilà, un peu deg, hein, on va dire, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir, c'est motivant les potos. À me dire dans la zone de commentaires comme d'habitude ce que vous avez pensé du match et de la vidéo, les gars, et surtout, faites attention à vous, prenez soin de vous.
La santé, c'est le plus important, les gars. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et allez l'OM. Ah, allez l'OM. Putain de sa mère. Allez l'OM, sa grand-mère.